Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Là, il est 9h50. Justin est couché depuis... je l'ai couché, il était 9h15. Ouais. 9h15, 9h20. J'ai fait le montage de mon vlog. Puis, là, c'est ça, j'ai commencé à faire du ménage aussi ce matin. Fait que là, j'ai quasiment fini mon rez-de-chaussée, mais il me reste des affaires à ramasser. Puis ce qui m'énerve, là, c'est les petits cossins qui traînent en tête. Il faut que tu te penches pour ramasser un affaire gros de même à terre, là. Pas pourquoi, là, mais c'est l'affaire qui m'écœure le plus en faisant du ménage. Puis il me reste à nettoyer dans le fond. Tu sais, j'ai presque tout ramassé, mais il me reste à nettoyer. Faut juste mon lave-vaisselle que je remette ce qu'il y a dans le lavabo dedans. Puis c'est ça, là. J'ai fait mon salon. Je viens juste de faire mon salon. Mais encore une fois, il reste encore du stock. Mais c'est comme ça. Puis genre, Jay, il a mis la table là, étancée, là. Mais il met la table comme de même. Comme entre le divan, puis le meuble d'ordi. Non, puis le mur. Fait en tout cas, fait que Jackson ne peut pas passer. Fait que c'est vraiment insane. Genre, tu sais, pendant que je fais mon ménage, mais il vient pas gosser dans les armoires. Ou si je roule mon lave-vaisselle, il vient pas gosser dans mon lave-vaisselle. C'est vraiment nice. J'avais jamais pensé à faire ça. Puis ça fait comme, tu sais, c'est un peu con à dire, mais c'est un peu comme un enclos, là, genre. Mais tu sais, il reste comme là. Puis puis c'est ça, tu sais. Fait que ça fait moins de gestion pendant que je fais mon ménage. Mais c'est ça. Fait qu'il me reste plus grand chose à faire. Finalement, hier soir, on n'a pas fait la chambre des filles. Parce que, ben, pas que ça nous a sorti de la tête, là, mais on avait, tu sais, on était pas dans le mood, mais tu sais, j'ai pas le choix d'aller faire ça tantôt, dans le fond, là. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, là, je sais pas si je prends une pause ou si je continue, puis justement, après, parce que quand Jackson se réveille, je m'en vais à l'épicerie. J'ai des choses à acheter pour nos dîners, puis notre truc, je pense qu'on va souper une fois ici. Ah, puis il faudrait que je chez ma belle-mère chercher les rideaux puis mon maillot de bain. Parce que j'en aurai besoin samedi. Donc, c'est ça. Fait que je pense que je vais m'y mettre là. Il me reste pas grand chose à faire. Puis après ça, je vais nettoyer peut-être cet après-midi en ben, t'sais, après là. Parce que je vais aller chez ma belle-mère, mais tu sais, je passerai pas l'après-midi là. Puis les filles arrivent genre vers 5h. Tu peux en prendre là. Les filles arrivent comme à 5h. Fait que tu sais, j'ai le temps en masse après mon épicerie. Tu sais, Jackson va se réveiller à 6 peut-être à 11h, mettons. Tu sais, je vais peut-être être partie comme une heure et demie maximum. Il va me rester encore 5 heures pour faire mes affaires pendant la sieste d'après-midi à Jackson, genre. Je vais avoir encore plein de temps pour faire mes trucs. Fait que ça, fait que là, je vais faire les petites affaires qui me gossent que je sais que ça me tentera pas de faire plus tard. Ça me tente déjà pas, mais j'ai pas le choix de les faire pareil. Salut, il est rendu 11 heures. Je suis pas mal à l'heure sur mon planning. Fait que là, on est prêt puis on s'en va à l'épicerie. Fait que j'ai quelques petits trucs à aller chercher. Faut justement aussi que je m'achète des rasoirs. Parce que j'en ai plus. Puis j'ai utilisé ça à Jay, puis... je trouve qu'ils vont mal un peu, là. Fait qu'en tout cas, bref. Fait que je vais aller chercher ça. Puis on va peut-être faire un petit arroté Martin, une petite boisson fraîche. On va checker ça, comment ça va avoir été à l'épicerie aussi. Hein, parce que on donne pas de récompense quand il ne mérite pas, hein. Fait que c'est ça. Fait que Jackson vient de se réveiller. Oui. Fait qu'on est tout prêt. Jackson est juste en couche. Parce que on peut sortir juste en couche. Fait que à tantôt. Salut, il est rendu midi 20. Puis on est revenu de l'épicerie. J'ai juste acheté un sac, ça m'a coûté 27$. Ça m'a dit que c'est rare en maudit que ça me coûte ça. Aller à l'épicerie, hein. Fait que c'est ça. Puis pour les gars, j'ai déjà ça ici. C'est des chops de porc. Je sais pas comment ils appellent ça. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, on. Ce soir, on soupe au restaurant. Demain midi, on va souper. On va dîner où on va aller. On va souper chez moi. Dimanche, on dîne chez moi. Puis on soupe à Montréal, dans le fond, au Juste pour Ado. Fait que j'avais besoin comme d'un souper, puis de dîner, puis d'un dîner. Puis les déjeuners, ben j'ai tout ce qu'il faut pour, là. Fait que c'est ça. Mais j'ai pas acheté de souper parce que je sais tellement pas ce qu'ils veulent manger. Fait que demain, en revenant de notre sortie, on arrêtera à l'épicerie, puis j'irai chercher le souper pour tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour combler, puis pour Jay, là, parce que là, on n'avait plus rien pour faire les salades. Fait que c'est ça, bref. Fait que j'ai racheté des bananes, parce que j'en ai deux, mais sont limite en tabarouette. Je pense que je vais les faire congeler. J'ai racheté un paquet de beignes, comme ça, Jay aime bien ça, là, puis il a fini son paquet. En même temps, j'ai pris... Oh, il y a quoi qui a coulé? Qu'est-ce qui a pu couler? C'est impossible. Oh, c'est des beignes, wesh! Des rasoirs, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'en avais plus. Puis là, ben, c'est la première fois que je vois ceux-là, Soleil Glow. C'est tellement cher, des maudits rasoirs, là. Moi, là, ça me... T'sais, au moins, ceux-là, ils étaient comme 6 et quelque chose, là. Quasiment 7, là, mais il y en a que c'était genre 9, 10, 11, 12, 15, là. Fait que... En tout cas, j'ai pris ça et j'ai pris les doigts collés. Pas
Pour la première fois depuis super longtemps, j'ai pris des oignons verts. Hey, j'avais oublié à quel point c'était pas cher, cette affaire-là, c'était 58 sous. J'avais vraiment oublié à quel point c'était pas cher, puis dans les salades, c'est super bon. J'ai racheté des cocombes, comme ça. Hey, là, il s'est passé quelque chose, ok. Genre, mon plat de beignes, là, il y a plus l'étiquette en dessous. Fait que, ben, il l'a, mais en tout cas, elle est comme brisée. Puis là, ben, la fille, elle m'a dit comme. Elle m'a dit, ça, il n'y a plus le sticker. Hey, je vais me laver les mains, ok, deux secondes. C'est ça, fait que la femme m'a dit, oh, tu sais, j'ai dit, oh, je vais aller chercher un autre qui était à côté des caisses, là, tu sais. Puis en allant chercher, je l'ai pris tellement vite que je me suis paper cut le doigt, là, ça fait tellement mal. C'est ça. Bref. Sauter du coq à l'ombre. Ouais, j'ai pris des petits cocombes de même parce qu'il n'y avait pas de cocombes anglais. Genre, les longs, là, que j'achète toujours, il n'y en avait pas. Fait qu'en tout cas, ça va être ça. J'ai pris des carottes parce que je me suis dit que j'allais pouvoir les éplucher puis les faire bouillir avec peut-être notre souper de samedi avec peut-être des patates puis tout sur le barbecue. J'ai pris un paquet de 3 salades, comme d'hab, et des pommes vertes. Ça a l'air que j'en avais pris à la base pour Jérémy. Puis ça qui m'a dit que Jay en avait pas mangé une genre sur son paquet, fait que je vais les emmener à notre activité à la place. Là, on a le droit d'emmener des lunchs puis tout, fait que... Voilà! Il est rendu 1h20, puis ma visite est sur le point de venir à la maison. Dans le fond, son ami finit de travailler à 1h30, puis je pense qu'on va aller chercher sa job, je pense que je l'ai dit. Oh, c'est la job de ma soeur. Mais là, je voulais cocher avec vous des trucs sur ma liste. Fait que j'ai... été chez ma belle-mère. Oh, est-ce qu'on l'entend? Puis j'ai été à l'épicerie. Yeah! Fait qu'il me reste... Valise coiffeur au rez-de-chaussée, laver les draps des filles, ben je laverai pas les nouveaux qu'elle m'a donné, là, ils sont propres. Mais je vais laver la couverte que je leur ai donnée pour que ça brille. Faut que je fasse la chambre des filles et que je finalise le ménage ici. Avant de passer balai mop là, parce que j'ai pas encore vidé ma vaisselle, là. J'ai fait du bordel en vous montrant tout tantôt. Puis c'est ça, ça va se libérer justement quand je vais aller faire la chambre des filles. Puis je m'en vais coucher Jackson, genre là, peut-être dans 5 minutes, pour que je puisse justement aller faire ça. Pis c'est triste, mais il va falloir que j'essaie de me trouver un petit trou là-dedans pour aller dans la douche. C'est pareil, hein? Faut que je le mette dans mon horaire, genre. Trouver une place pour aller dans la douche, aller me raser les jambes. Fait que c'est ça. Mais il me reste... j'ai quasiment plus rien à faire, là. Ça va être une histoire de 5 minutes faire ça ici. Puis après ça, aller faire la chambre, là, ça risque d'être un petit peu plus long. Mais ça se trouve, je trouve des clous. Ah! Ça en reste là. Je vais pas la porte. Je vais là. Fait que j'allais chercher le marteau. Puis je vais installer des clous en 45 parce que mon chum, il m'a montré comment faire. puis c'est ça. Fait que pour pouvoir mettre les rideaux, parce que si au début, j'étais là, ça tiendra jamais, mais si j'ai mis en 45, ça va super bien tenir. Puis genre, pour vrai, là, ceux qui vont dire, genre, voyons donc des clous en 45, ok, mais genre, vous comprenez pas, là, que ce gros cadre-là, là, genre, il fait toute ma table. De long, il fait peut-être 5 pieds, genre, peut-être. Ici avec deux clous en 45. Puis ce que je veux dire par deux clous en 45, là, c'est placé comme de même dans le beam de bois. Dans la... J'ai que moi en anglais, c'est comment ça s'appelle ça? En tout cas, dans le truc en bois, dans le mur, là, ils sont juste comme cloués comme de même en 45 degrés, là. Puis on dépose nos trucs dessus. Tout ici est placé en 45. Jay, il triple là-dessus, là. C'est sa méthode préférée. Fait que tout est fait de même chez nous. Là. Tout tient par des clous en 45. Fait que c'est ça, fait que quand je vais aller coucher Jackson, je vais aller tout de suite m'attaquer à la chambre des filles en bas. Puis alors ça, c'est avec le ménage de mon entrée, puis tout faire ici. Après ça, en même temps, je vais mettre mes draps dans la sécheuse, je vais mettre leur coudouillette à eux dans la laveuse. Parce que puis je vais faire le lit, puis gna gna gna, puis gna gna gna. Fait que, faut que je fasse la salle de bain ici. Puis je vais essayer, là, parce que, aïe, n'importe quoi ici, là, je suis quasiment gênée. Mais je vais essayer de tout mettre balai, mop, nanana, dans mon garde-robe d'entrée. De la maison. Parce que vraiment, c'est un garde-robe qui sert à rien. Il y a genre juste des bottes dedans. Puis j'étais curieuse de voir ça. On dirait vraiment une chambre débarras, puis ça m'écœure. Puis genre, sinon, je mettrais bien dans mon locker comme en dessous de mes marches. Mais à quel point ça me tentera jamais d'aller chercher genre mon Swiffer. Puis, tout. Puis quand je dis la mop, c'est mon Swiffer. Là. Je n'ai pas déjà délaissé mon Swiffer. Puis c'est ça. Puis hey, vous me direz, ok? Pour elle, je veux votre opinion là-dessus. Là. Hey, ce vlog-là va être extrêmement long. Est-ce que votre Swiffer... Moi, j'ai la bouteille bleue, OK, qui venait avec le Swiffer, là. Je sais pas si c'est tout usage, quand même. Mais quand je l'ai passé dans ma
salle de bain, genre sur ma céramique. Ma céramique était full collante. Genre quelques heures après, tu sais, quand ça a tout séché, là. Fait que c'est ça, vous me direz si vous aussi ça fait ça. Fait que je vais en coucher Jackson, puis on va s'en parler tantôt. Fait que salut! Il est rendu 2h10, puis je peux checker, je peux faire un check sur autre chose sur ma liste. Fait que je vais aller sur Wonderlist, c'est Wonderlist que j'utilise. Puis faire la chambre des filles, c'est fait! Fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air, là. Reste que c'est mon sous-sol, puis que c'est ma salle de jeu aussi, là. Fait que c'est pas comme immaculé et hors de contexte de ma salle de, ma salle de jeu, mais en tout cas. Fait que pour commencer, vous avez sûrement vu, j'ai mis ça ici, c'est mon entrée dans le fond. C'est les marches qui vont en haut. J'ai trouvé ça, un drap à zac qui était brisé. Fait que je l'ai cloué genre comme par comme dehors là. Puis il y a comme un espace en bas, mais il y a la marche, fait que ça fait quand même bien. Puis je vais vous montrer tout fermé là, après comment qu'il fait quand même, il fait quand même sombre là. Je pense qu'il fait quasiment plus sombre que dans ma chambre. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, ben je vais retourner à la caméra, ça va vraiment aller mieux. Fait que c'est ça. Fait que là, ici, on a l'entrée. Là, ici, ça, c'est la porte de mon locker puis la porte de mon garage. Fait que là, il y a juste une boîte, là. C'est une boîte comme qui reste un peu de couche de table dedans, là. Mais c'est ça, fait que je la laisse, là. Mon Dieu, excusez. Ici, ben, j'ai encore mon bac de linge. Ça, c'est mon bac de linge châle, tout ça. Ça, c'est mon bac de linge propre. Puis là, ça, c'est le sac de rideaux qu'il y avait. Là, c'est mon scrubbing bubble qu'il faut juste que je... Tu sais, je vais le monter, dans le fond, pour aller laver ma salle de bain. Fait que là, ici, il y a le lit avec les draps que ma belle-mère m'a donné. Puis ça, c'est des trucs à monter, là, dégainer puis tout. Mais c'est ça, fait que là, ici, là, je vais juste monter mon coussin d'allaitement parce que je trouve qu'il prend de la place. Puis il y a ça ici, fait que tu sais, il y a quand même un beau corridor, là, pour que... Tu sais, je vais le tasser tout de suite, là, parce que sinon, je vais le dire puis je le ferai pas. Ah, oh, des trouvailles! On va les mettre dans un coin, hein, parce que là, moi, je gosse pas avec ça. Bon, fait que c'est ça. Ça fait 14 fois que je l'avertis de pas courir sur l'hostie de lit, puis il fait non-stop, puis genre... Zach, cours pas sur le lit. Il fait Zach, cours pas sur le lit. Il leur fait Zach, cours pas sur le lit. Il leur fait genre, c'est ça. Ouf, plus capable, plus capable. Ok, bref! Fait que c'est ça. Fait que là, il y a comme un bon corridor pour chaque, puis ce que j'aime, mais là, j'aurais peut-être pu mettre le lit un peu plus centré par là, mais... Tu sais, je veux pas qu'il se lève sur la céramique là, demain matin, je veux qu'il se lève sur le tapis. Mais tu sais, il y a une plug là pour leur plug de sel, puis il y en a une là, tu sais, fait qu'ils vont être bien corrects. Puis, oh mon dieu, genre, je pense que mon chat a pété, ça pue. Puis, j'ai mis 3 rideaux dans le fond, parce que là, ma belle-mère, elle m'expliquait qu'il frisait, puis c'est vrai qu'il frise, là, genre... En tout cas, il twist, là, comme par en dedans, je sais pas si on peut voir. Fait que c'est ça. Fait que là, ben, il y avait comme un espace comme de à peu près ça à droite, fait qu'il y avait plein de soleil, fait que j'en ai mis un troisième dans le fond. Fait que ça fait bien quand c'est fermé, là, je vais vous montrer. C'est ça, je vais... Il y a comme 2 petits trucs que je veux faire, là, je vais fermer les lumières pour vous montrer comme il faut. Fait que, genre, vous voyez, là, comment il fait noir. Fait que regardez ça, c'est où il y a le drap. Puis il y a comme un petit jour en bas, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Puis la chambre, ben, ça a l'air de ça. Fait que, regardez, il fait super noir. Puis ce que je vais faire, c'est ici, là, où le drap rouvre. Ben, pas le drap, mais où le rideau ouvre, je vais juste mettre une pince comme de chip ou un affaire de même, là. Puis dans le coin, là, j'ai mis un jouet tantôt. Puis ça a super bien fonctionné, là. Ça faisait vraiment noir. Fait que... Ouais, ils vont avoir une belle petite chambre. Fait que je suis bien contente. Bon, mais il est rendu 3h40. Puis j'ai fini. Ben, il me reste juste à faire ma vaisselle. Mais ça va me prendre 5 minutes. Ça sera pas trop long. Puis là, j'ai lavé mes planchers. Là, ça fait des stries. Ça barbe, ça. J'ai passé genre ma table. Je suis tannée. Ça va rester de même. Au PJ, il repassera si ça l'écœure vraiment. Là. Mais c'est ça. Puis il me reste à laver ma table. Donc là, mes amis vont faire un stop chez la sœur de l'une d'elles, en fait. Puis ça a l'air que c'est à 12 minutes de chez moi. Fait que. Ils ont dit qu'elle allait me texter, mais qu'elle allait partir de là. Fait que, mec, qui part de là, je vais sûrement aller à les attendre dehors. Là. Ben, peut-être pas pendant comme le 12 minutes, là, mais. C'est ça, t'sais, ça va juste me donner le go de comme ok, bon, il arrive, tout est beau, oui, parfait, tu sais. Fait que c'est ça, fait que je vais vous dire vraiment à plus tard, là, parce que je risque pas de vous reparler d'ici bientôt, puis là, déjà là, il me reste encore samedi puis dimanche à filmer. Fait que c'est ça. Puis là, on va ici. Puis là, on va ici. Puis là, on va. Là, bah, c'est calé, tu es en train de me prévoir un assiette. Voilà. Oui, je reste vigilante au changement de conditions foncières. Elle m'explique comment ça marche. Joue!
gentil bébé. Ton son est-tu plus fort? Ouais. Salut, on est rendu samedi. Puis là, on est à la carrière Morrison. Il est déjà rendu genre 11h et quelques. Fait que je vais vous montrer ça. Là, on se fait un petit peu qu'on est arrivé. Mais je voulais vous montrer parce que c'est vraiment beau. Dans le fond, c'est une place. C'est comme une plage, dans le fond, où tu peux faire de la plongée, tu peux juste aller à la plage, tu peux faire du bungee, pis tout. Pis l'eau est bleue, claire, là, tu sais, comme genre dans le sud. Fait que je vais tout vous montrer ça. Pis on restera pas, peut-être, sûrement pas ici toute la journée. On risque d'aller faire du bateau après. Parce que, tu sais, c'est comme. C'est un petit site, là, tu sais, c'est pas vraiment gros, là. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée! Alpe. What's up? Hein? La verte, ouais. Comment est-ce qu'elle va? Ah, qu'est-ce qu'elle fait peur? Ils ont les yeux genre rouges, hein? C'est pas très cute. Un moment donné, tu vas juste faire genre. Là, je suis à point de piquer tout à l'heure, mais c'est quoi? Ah, c'est cool, c'est genre du sable. Est-ce vrai que ça fait mal en salle? Comment tu descends, toi? Ça va pas la grosse, c'est de la boue. Ah, ça cale en tabarnak, tu comprends pas. Oh, Schneider. Hey, j'ai peur en cri. Chris, tu sais que j'ai rentré jusqu'à là. Impeccable. On est rendu dans l'auto parce que on écoutait deux trois tunes. Puis on a crissé notre camp parce qu'il a commencé à avoir un munch pit dans le milieu genre de la troupe. Puis on se faisait pousser de partout puis tout. Puis on s'est dit genre les chansons qu'on veut vraiment entendre vont peut-être à la fin parce que c'est genre les meilleures. Fait que finalement bon on est parti. Puis ça fait comme 10 minutes que je peux commencer. Il était supposé commencer à 9h15, puis il a commencé à 10h moins quart. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là on retourne à la maison parce que. Puis on va arrêter au team. Parce qu'on se peut plus de boire. Fait que bonne soirée. Je risque pas de parler. Fait que bonne nuit, à demain! Salut tout le monde! On est dimanche. Il est déjà rendu 7h30 du soir. Dans le fond, je voulais juste parler un peu parce que naturellement, je vous ai pas parlé de la journée, comme vous avez pu remarquer. Dans le fond, c'est que la journée s'est vraiment pas déroulée comme on l'avait prévu, là, comme vous pouvez sûrement constater du fait que je suis pas allée au Juste pour ados. Dans le fond, parce que
Ce matin, tu sais, on savait qu'il annonçait la pluie pis tout aujourd'hui. Puis ce matin, ben, on a comme un peu envisagé les pour et les contre d'aller là-bas. Tu sais, moi, ça me tentait de faire 1h30 de route. 1h30, 1h40, je sais pas trop, comme pour aller jusqu'au métro, puis prendre le métro jusqu'à là-bas, puis blablabla, puis en tout cas. Puis, ben, mon ami non plus, tu sais, de payer le stationnement, pis tout, parce que le stationnement à Montréal, c'est vraiment pas donné. C'est genre 15$ pour le, comme, une heure ou deux qu'on aurait été là, on trouvait ça super cher. Puis c'est ça, fait que finalement, ben, on s'est dit, garde, tu sais, il y a des gens qu'on voulait voir qui étaient pas là, ben, qui, tu sais, qui allaient pas être là, puis c'est ça. Fait qu'on a décidé de simplement pas y aller. Puis ben, franchement, il y a plein de monde, tu sais, que, tu sais, genre, Laura Gabriel, qui d'autre que je vais être comme, oh zut, je vais le manquer. Ben, il y a Jamesy, Elisandre, il y a. En tout cas, je suis sûre que vous comprenez, là, il y a Ellie, en tout cas, tu sais, il y a plein de monde que je voulais vraiment voir. Mais, ben là, ça, quand, tu sais, quand Cynthia m'a dit « Ah, oh, check au Juste Prado, il y a vraiment beaucoup de monde, puis on n'aurait pas eu des bonnes places, puis blablabla. » J'étais genre « Ben, tu sais, ça dépend à quel moment on serait arrivé, tu sais. » Mais c'est ça, tu sais, fait que ça m'a fait comme chier sur le coup de voir ces stories-là, parce que j'étais comme, tu sais, le plan à la base, c'était d'être là, puis d'aller profiter de la soirée, puis tout. Puis finalement, je suis pas là. Puis pas longtemps après, mais j'ai vu la story de Lisandre, qui est en crise de panique, puis tout. Puis j'ai fait comme crime, tu sais, finalement, c'était un... Ça a l'air con, mais c'était un signe comme quoi j'ai un peu bien fait de pas y aller, tu sais. Comme quoi que... Ah, puis il y avait Roxane Bruno aussi, qui est comme ma love de la chanson dans les derniers temps. Puis, ben, depuis un bout, là, mais... Puis c'est ça, fait que tu sais, je voulais l'avoir elle aussi, puis en tout cas, bref. Fait que je me dis que ça se remettra l'année prochaine, mais moi puis Cynthia, bon, on s'est promis l'année prochaine d'aller au Oh My Fest, parce qu'on n'est pas allé les deux années précédentes, puis c'est ça. Parce que tu sais, nous, ce qu'on aimait moins aussi du Juste Prado, c'est la portion, tu sais, mi-top, mais que, tu sais, si t'es genre 4-5 rangées en arrière, ben... Tu sais, tu fais juste voir le monde passer, tu leur parles pas pis tout là, tu sais, fait qu'en tout cas. Bref, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de pas y aller, pis perso j'aime vraiment mieux comme aller dans un événement qui est payant mais qui est mieux organisé que d'aller genre dans un événement qui est gratuit mais que t'as de la misère à voir ton monde un peu là. Donc bref, c'est ça, fait qu'à la place aujourd'hui, on est allé chez ma belle-mère. Ben, mes amis sont partis vers 12h45 à peu près. Fait que, c'est ça, vers 2h30 peut-être, on est parti pour aller chez ma belle-mère, puis on a soupé là-bas, puis on vient de revenir à la maison. Fait que, c'est ça, c'était bien plaisant, ça a bien occupé mon reste de journée. Mais là, je suis vraiment fatiguée, là, c'est fou, ma fin de semaine m'a brûlée, là, c'est vraiment débile. Puis, c'est ça, je vais en profiter pour essayer de mieux dormir ce soir, si je suis capable. Puis, ben c'est pas mal ça. Fait que là on s'en va écouter All Together with Murder, puis c'est ça. On va prendre ça. Ouais, j'ai de quoi dans les cheveux. En tout cas, on va prendre ça super relax pour le reste de la soirée. Fait que moi là-dessus, ben je vais vous laisser. Parce que c'est ça, le vlog va vraiment être déjà très très long. Ah mais oui, je voulais vous dire aussi, ben vous avez vu là, mais en collaboration avec le festival de Chiaga, ben il y avait un spectacle de Loud hier. Ben je voulais expliquer un peu là qu'on était un peu déçus, mais reste que bon, j'ai vu Loud puis tout, puis là ben j'ai acheté son album au complet pour pouvoir l'écouter dans le fond. Ben je l'ai pas acheté vraiment là, c'est sur Google Music là, j'ai comme mon 3 mois gratuit de musique illimitée dans le fond, fait que je peux télécharger n'importe quoi illimité, fait que son album m'a rien coûté dans le fond, fait que c'est ça, fait que je vais me promener dans la rue à Star, puis je vais écouter ça, puis je vais me battre jusqu'à temps que je connaisse son album par cœur. Je me suis dit la prochaine fois ça va être la bonne, je vais connaître les tunes au complet. Fait que c'est ça, fait que je vais vous dire bonne nuit, puis demain reprendra le cours normal d'un vlog par jour. Cette fin de semaine a vraiment été exténuante. Fait que je vous souhaite bonne nuit, puis nous on se revoit demain. Bye!